Durant la grossesse, les futurs parents ont la possibilité de se préparer à la venue de leur enfant par l'intermédiaire des séances de préparation à la naissance et à la parentalité. Elles sont accessibles à tous les couples, toutes les femmes. Pendant la grossesse, on se pose souvent la question : la préparation à la naissance, est-ce bien utile ? Et quel type de préparation ? Il faut savoir que les séances sont prises en charge par la Sécurité sociale, qu'elles sont au nombre de 7 et qu'elles vous seront proposées lors d'un entretien prénatal dès le 4e mois de grossesse. Avec les cours de préparation à la naissance et à la parentalité, d'autres types de séances sont possibles et nous allons en découvrir quelques-unes. Le papa a toute sa place lors de la grossesse. Par des massages, il va soulager les douleurs lombaires ou ligamentaires de sa conjointe. Dans la salle de naissance, par des points de digiponcture, il peut agir de façon concrète pour aider la future maman à soulager les contractions utérines. La pratique du yoga, en sensibilisant la femme enceinte à l'écoute de son corps et de ses changements, et en se concentrant sur les étirements, la respiration, la relaxation, permet à la future maman de vivre pleinement chaque instant de sa grossesse et d'être en symbiose avec son bébé. L'hypnose permet de trouver des outils, des capacités, des ressources que l'on possède et qui sont contenues dans l'inconscient pour faire face aux difficultés de la grossesse et de l'accouchement. En état de relaxation, la future maman pourra partir en voyage dans un lieu de bien-être, de détente, où elle pourra visualiser de façon positive des éléments de réponse pour gérer les angoisses, les difficultés, et ainsi créer un lien privilégié avec son bébé. Notre objectif étant de vous accompagner au mieux durant votre grossesse, d'autres thèmes peuvent être abordés. Par exemple, si vous souhaitez arrêter ou diminuer le tabac, une sage-femme peut vous aider. La prise en charge est totalement remboursée par la Sécurité sociale.